Et salut les amis, aujourd'hui on se fait une petite rando organisée, on va se faire les drails du Regana organisés par le club de la Farled. Voilà, on va partir sur le 30 km et puis on verra bien en cours de route. Allez, ça part de là. Allez les amis, c'est parti. Bon, je vous ai passé les 4 premiers kilomètres de route pour rejoindre le début des pistes. Et là, ben, ma foi, on va monter jusqu'à, je pense, la chapelle de Soliès et après encore un étage plus haut. Voilà, ça va piquer déjà d'entrée. Voilà, bon, sinon sur ce rando, je la fais encore tout seul. Mes copains, ils sont pas venus. Donc ben, on va s'amuser tout seul. Allez, on continue l'ascension vers la chapelle. Là, ça monte sévère. Même sur le vélo. Donc content. Bon, mais la montée se continue sur la route. Là, c'est un peu plus monotone. Ça permet de se refaire un peu si comme moi t'es à l'agonie. Voilà, donc on pense à quel moment je suis en train de me faire dépasser par tout le monde. Ça casse un petit peu le moral, mais c'est comme ça. Je suis pas parti assez tôt encore. Bon allez, j'ai retrouvé ma position favorite du moment à côté du vélo. Voilà, maintenant je suis pas tout seul. Bon, là on est du coup sur le 40 là pour l'instant, parce que il y avait une belle descente comme je connais. J'ai dit pourquoi pas. Je commence à le regretter. Non, on verra bien. Je pense que je vais faire un mix, même si on coupe un peu avant, on verra bien. Bon, j'ai réussi à remonter un petit peu sur le vélo là. J'aurais dû suivre l'idée principale du 30, vu la forme du moment. Je le savais. Là, ça m'a tout coupé. L'envie, le moral, les... Qu'une envie, c'est de rentrer, là. Enfin bon, peut-être que la première descente va remotiver le bonhomme, on verra bien. Voilà. Non, juste pour vous prouver que je suis nul, mais je suis pas tout seul. Ah, apparemment, c'est peut-être parti en descente. Ou pas. Je me rappelle pas de celle-là. Je sais pas si je l'ai déjà prise. Sympa en tout cas pour l'instant. Bien. Ouh. Ah, d'habitude je saute, mais là c'est l'échauffement. Je suis un petit peu approximatif sur mes trajectoires là. Ouais, je suis déjà pris confit, j'ai l'impression que j'ai déjà fait les 30 km, sans déconner. Elle est géniale. Ugh.
cette partie. Deuxième partie. Va être un petit peu plus technique. Ça fait un moment que j'ai pas pris ça, je m'en rappelle. Je sais que j'ai déjà fait. Oh, ça monte. Ah non, ça descend. Tu vois, en passant sur le 30 directement, ça aurait été con de la rater, mais de l'autre côté, franchement, j'ai pas la forme. Et j'aurais pas dû. Parce que je suis déjà cuit. Purée. Ça fait peur. Je vais faire une sale grimace sur la photo, quoi. J'ai fait un bond tout à l'heure. Je m'envoie en l'air et tout, quoi. Ah, ça secoue un peu. Ouah. Si je commence à faire les erreurs de fatigue dès le départ, qu'est-ce que je vais faire à la fin? Expliquez-moi. Allez. Allez, ça pédalouille encore un petit tout petit peu là. Apparemment, on continue là. J'ai récupéré le 30 et ça va redescendre de suite si j'ai bien compris. Donc on va pédaler quelques mètres, quoi. Quelques centaines de mètres. Et on devra arriver au ravito, au premier. Et c'est bien ça, on y est. De suite. Ça non les amis, je rappelle, on est sur les rails du Regana, rando concocté par le club de la Farlède. Ah, on descend pas là, dommage. Allez, on est reparti sur la DFCI maintenant. Allez, on y est, un petit ravito. C'est un grand merci aux bénévoles. Bon, pour l'instant c'est tranquille, on se fait une longue DFCI. Bon, c'est plat, ça descend un petit peu, c'est plat, mais bon, je pense que là dans pas longtemps on va rattaquer à la montée. Là du coup, avec la boucle en plus du 40, donc c'est comme s'il avait fait le 40 pour l'instant, je suis à 17 km, 416 mètres de dénivelé. Allez, on y est. Il a dit qu'il fallait que ça remonte encore un peu. C'est cadeau. Alors on a commencé à monter par la route et là, enfin, on joue un petit single. Ça va être un petit peu plus dur, mais c'est quand même plus plaisant que de rouler sur le goudron. Allez, on se retrouve là-haut. Bon, ben sur le 30, on a très vite récupéré de la route là. On va voir ce que ça donne. Le 40, on aurait continué le tour qu'on fait d'habitude avec le club, donc c'était single et truc, mais là sur le 30 on est
on a coupé sur un endroit où je connais pas, je pense pour éviter justement tout le haut. À voir. On y est. La fameuse montée à côté du camp militaire, je ne me rappelle plus son nom. Celle-là, elle est terrible. Et elle est mythique au trail de Reganac. Chaque fois, tu morfes dedans. Si tu l'as pas faite, c'est que t'as pas fait les drives, Regana. C'est comme ça. Oh. Allez, je suis quand même remonté sur le vélo après en avoir fait une partie. On reprend la position à pied. Je pense que j'ai passé plus de temps à côté du vélo que sur le vélo aujourd'hui. Aïe 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 aïe. Allez, encore un tout petit peu sur le vélo et puis rapidement je pousse. Je commence à me gonfler d'être aussi nul en ce moment. Ça commence à me gonfler de ne pas récupérer et de ramasser à chaque fois. Bon, comment ça va? Eh bien ça va et toi? Mal. Ah ouais. Je meurs. Depuis le temps que je te suis, j'arrive à te voir, tu vois. Alors 30 km aussi? Ouais, 30 ans. On essaie. Pas trop dur? Un peu. Moi je morfle. La montée elle a été dure. La dernière là, elle a envoyé. Oh là là. Après il y a beaucoup de routes je trouve quand même. Ouais, c'est, hein, pas trop de routes. Mais bon après pour rouler ici on fait pas mieux. Quand on vient, les portions de route qu'on a eues, on les prend aussi. Ouais. On les prend aussi. Bon. Allez. Allez. Bon là plus de rue balise. À mon avis, c'est pas par là. Mais bon on est plusieurs, alors on va suivre, on essaiera de récupérer je sais pas où. C'est pas terrible en descente. Je suis fatigué là dedans. Ah ouais, là en descente, c'est celle des mouasses. Ouais, en fait, pas trop intéressant. Allez, deuxième ravitour, bien mérité. Allez, c'est parti, celle-là on l'a pas loupé. Du coup, c'était bien ça, celle de là-haut, on l'a loupé. C'est pour ça qu'on est descendu par le DFC8 tout pourri. Et la dernière, ça va. En plus, si j'ai bon souvenir, elle est sympa. Ah, on est dans les bouchounes. Pour ça. Bon là c'est pas gagné. Oh purée, ça va? Attends, j'arrive. Ah, c'est bon? Eh oui, c'est ça, de s'arrêter de les 2 secondes. Ouais. On n'est pas dedans. Enculé, l'OTB. T'es bon, hein? Ah ouais, là ouais. Ah, t'es gagné. Hein. T'as peut-être même gagné la vignette, là. Ah. Ouais, on va s'arrêter toutes les 2 minutes. Pas assez de vignette. Allez, on est reparti. Ça a quand même calmé les ardeurs là. T'as cassé un truc? Attends, on va s'arrêter. Allez, on a checké le vélo, c'est bon, c'est reparti pour un tour.
Et ouais, celle-là, c'est plein de petites marches. Non, non, vas-y, vas-y. Ah, j'y m'étonne. Ouais, il arrive. Michel, c'est ça? Allez, elle était pas sympa celle-là. Celle-là, je ne dis rien. On est monté longtemps, mais on descend longtemps. Ah, ça descendait là. Ouais, ouais. Non, mais c'est pas grave. Attends. Ça descend mieux. Hop là. C'est parti un peu. Bon, celle-là elle était fracassante, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça va là. Ah oui, elle était fracassante. Ah là, 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 je peux pas faire autrement. Ça, ça c'est parce que tu suis les vidéos. Tu sais que si tu veux être en vignette, il faut faire. Bon, on est quand même gâté sur la fin là, ça, la multitude de descentes elles sont bien sympas. Ouais, les gars, c'est bien. Impeccable.
Dernière descente bien sympa. Ça clôture bien la sortie. En plus, j'ai récupéré deux copains. Du coup, ça a fait du bien, c'est un peu plus rigolo. Voilà, je pense que maintenant on va se diriger vers l'arrivée. Je sais pas trop où on est. Ouais, on est au parc Égal. Donc là, du coup, je pense qu'il n'y a plus que de la route. Allez, on se retrouve là-bas. Allez, on est arrivé. Eh ben, vu qu'on a loupé une petite descente, 30 bornes, pratiquement tout pile. Allez, après l'effort, le réconfort, la pasta party. Bon, ben, randonnée de Rider Reganas terminée. Petit bilan, ben, j'ai encore bien morflé. Et comme ça, la forme ne revient pas et c'est de plus en plus dur. Petit bémol pour ce rando sur les portions de route, mais bon, encore une fois, c'est facile de critiquer, c'est difficile de faire, et c'est vrai que quand on le fait avec le club, eh ben, on emprunte une grande partie des routes qu'on a pris, un petit peu moins, mais en grande partie. Donc bon, voilà, ça c'est les aléas. Et surtout pour le balisage à la citerne là, parce que ça nous a fait rater la deuxième descente. Du coup, on est descendu sur de la DFCI et bien pour avant plus, et c'était pas terrible du coup. Donc ça nous a fait louper une belle descente. Moins grave pour moi, parce que comme je suis allé chercher la descente du 40 km, ben, du coup j'ai eu deux belles descentes et une petite portion. Mais ceux qui ont fait que le 30, du coup, ça leur a écourté pas mal les descentes, et c'est du coup un petit peu moins amusant pour eux, quoi. C'est en tout cas les retours que j'ai eu. Voilà, ben en tout cas, j'espère que cette vidéo vous fera découvrir cette belle petite rando, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.